Adonai, John, 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 Amanda Diamant, c'est tout là, tôt. Gars, c'est possible que quand ça commence à signaler comme ça, c'est mieux que tu coupes. Parce que si le direct se supprime, ça n'a pas à toutes tes étoiles. Amanda Diamant, ton faux profil là, tu me ressembles. Ta photo que tu as là, tu me ressembles un peu. Quand je voyais Amanda Diamant là, il y a une fille sur Facebook avant là qui s'appelait Amanda, qui a beaucoup fait le buzz comme ça. Elle n'avait pas le temps comme ça, elle se fumait facilement nue, très belle comme ça, avec le front un peu comme nous là. Et je crois qu'elle vit sur Paris. Une petite fille comme ça s'appelait Amanda, très mignonne. Moi je crois qu'elle disait toujours, je crois que tu étais elle, en fait que c'est toi. Jusqu'à ce que tu me disais que c'est... un faux profil. Ah là, on est là haut. Oh. Ben oui. Pourtant, tu connais bien mon faux profil, Mani. Mon vrai profil. C'est vrai, Amanda. Bizarre. Jessica, on est là. Oui, moi, j'ai relancé le direct parce que le dernier point-ci, je tiens à parler de ça. Il y a deux derniers points, je tiens à parler de ça parce que c'est là où mon étoile qui m'a parlé, là, est le déclic. Le côté sexuel. Je tiens vraiment à parler de ça rapidement avant qu'on se coupe, tu vois. Mettez les cœurs, ma famille. Je tiens vraiment à parler de ça. Pardon. Non, ce n'est pas toi, Amanda. C'est là que je dis là. Quand les Congossa VIP authentiques chauffeurs, les pages là avant, quand les woman chauffeurs vrai comme ça là, elle faisait beaucoup le buzz sur Facebook comme ça. Une fille coûte brune, elle s'appelait Amanda quelque chose, avait un peu le front comme ça, très mignonne. Mais elle était dans les way fort comme ça, les way fort, un genre. Donc au début, quand je regardais ton faux profil, moi je croyais que c'était elle, jusqu'à ce que tu me dises que non, c'est une photo d'emprunt, tu vois. Connais bien ton vrai profil, oh maman. Mais oui, c'est quand tu as parlé des histoires, des étoiles de la Belgique, là, que j'ai compris que tu es quelqu'un qui nous connaît bien. J'ai compris que tu dois être quelqu'un qui nous connaît bien, en fait. Mettez les cœurs, famille. Framponnez les partages. Puis à la fin, quand je me regardais sur mon autre téléphone, ça faisait comme des grisailles comme ça. Donc, j'ai compris qu'il y a un souci. Au lieu d'insister et perdre tout le direct, c'est mieux de, voilà. J'envoie seulement les cœurs. Jara, Jara, tu ne dors pas, mon bébé. On peut faire ça. Jara, Jara, tu ne dors pas. Donc, comme je vous disais, l'avant-dernier point du pervers narcissique, c'est il est très attentionné au lit. Il a les déviances sexuelles et un comportement très particulier. Voilà. Voilà le point qui a fait en sorte que je fasse le direct. Parce que c'était ça qui était la préoccupation majeure de la dame qui m'a contacté sur WhatsApp. C'est pour ça qu'elle a demandé que, bon, Magne, pardon, fais-nous alors un direct où tu expliques vraiment, voilà, leurs différents signes. Nous, même si on ne l'a pas écrit, on va enregistrer pour souvent écouter. Parce qu'il y a des trucs dans lesquels on se perd alors que c'est ça. Tu vois, quand elle m'a dit que le gars lui envoie des concombres, des tomates, des mangues, lui impose des partouzes et tout, c'est ça. Ah, d'accord, j'étais sur Facebook, mais je ne me souviens plus. Ah oui. Tu vois, donc, en fait, c'est ça. Le pervers narcissique est très... Il faut faire... Avec lui, en fait, il faut faire très attention au lit. Parce qu'il est d'abord, à la base, quelqu'un très attentionné. Comme par exemple, elle a dit que lui, par contre, contrairement à ce qu'on dit, il s'occupe
à lui faire des préliminaires. Ça veut dire, dans le préliminaire, là, il prend soin de toi. Il fait vraiment les préliminaires à son pro max. Il te fait des choses qu'on t'a jamais faites, tu vois, mais qui ne te font pas du mal, qui ne te détruisent pas. Tu te dis, voilà, c'est quelqu'un qui s'implique, qui n'a pas honte de mon intimité, qui, voilà, qui est à fond dans mon intimité, tu vois un peu le truc, non? Donc, du coup, tu te laisses aller jusqu'à ce que tu sois en face de ce qui t'impose. Oui, parce qu'à un moment donné, il te l'impose. Il ne te demande pas ton avis. Il ne te fait pas genre, j'essaye, je n'essaye pas, non. Tu vois? Il est très, très attentionné au départ. C'est ça, en fait. Très attentionné au lit. Il a des déviances sexuelles et un comportement particulier. Comme la fille a dit, que quand il commence, au bout d'un moment, il a l'impression qu'il devient comme le serpent, comme s'il se transforme. Aïe, Juju, c'est comment, maman? Juju. C'est ce qu'elle avait dit. Au bout d'un moment, elle a l'impression qu'il se transforme. C'est comme si il est dans une loge et que quelqu'un lui dit maintenant que utilise ça. Il va quitter sur elle comme ça, il part à la cuisine. Il vient avec le concombre qu'il a lui-même acheté, qu'il a pris le soin d'acheter. Quand il est rentré du travail, il est rentré avec son propre concombre. Il a pris le concombre là. Il a trempé où? C'est pour les sectes. Qui lui a donné? Tu ne sais pas. Où il vient de faire une autre fille avec eau? Tu ne sais pas. Juju, j'attends ton appel. J'ai voulu t'appeler, mais tu as dit que tu vas m'appeler. Ah, peut-être j'ai oublié ma soeur. Appelle-moi. C'est fort. Juju, appelle-moi, ma soeur. Ah, je vois le truc. Appelle-moi. S'il te plaît, sinon je vais oublier. C'est un remboursement de ses préliminaires ou quoi? Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Donc, en fait, à cause, comme elle avait suivi un direct où je disais qu'une fille se plaignait, que l'homme lui faisait tout par violence, et qui ne faisait pas souvent les préliminaires et tout. Donc, elle est restée dessus. Tu deviens son objet, c'est celui. Elle est restée dessus. Elle s'est dit que non, comme elle au moins, on lui fait les préliminaires. Donc, ce n'est pas pareil. Je lui ai dit que oui, ma, il te fait les préliminaires. Mais ce qu'il te fait après, c'est tout moche. Oui, tu m'appelles demain alors, Juju. Mais ce qu'il te fait après, c'est tout moche. Tu vois le truc, non? Donc, c'est ça. Ce qu'il te fait après, c'est trop. Le pervers narcissique te dit fais pipi. Pas que c'est Christian. Le pervers narcissique, c'est lui là qui te dit fais pipi dans ma bouche. Les histoires de porti-porta là. Le PN te fait ça. Oui. Il y a des couples où il y a le porti-porta. Sauf que ce n'est pas payant. Mais maintenant, ce n'est pas lui qui va te faire dans la bouche. Il va te dire de lui faire. Ce sont ses déviances. Oh. Mais toi, tu vas mettre ça dans le compte de qu'il t'aime trop. S'il arrive à manger tes caca, j'ai envie de dire, à manger ta merde, c'est parce qu'il t'aime trop. Tu mets ça dans ce compte-là. Mais c'est parce qu'il est pervers, en fait. Il a des vices poussées, très dangereuses même. Oui, après, tu es prise au piège. Parce qu'il t'a massé, il t'a mangé, il t'a mis bien dans les préliminaires. Qu'après, quand il t'impose quelque chose, tu ne sais pas dire non plus que ça. Tu ne vois pas arriver leur déviance. Moliba. Toute belle manie 5 étoiles pour Max. Merci beaucoup, l'offre de Dieu. Il y a des saisons compliquées. Comment ça? Il boit quoi après? Mais rien, il se brosse. Ben oui. Le porti-portal existe depuis belle lurette. C'est juste que c'est à Dubaï qu'on a mis ça à découvert. Et puis à Dubaï, ça devient des millions. Sinon, il y a des hommes dans les maisons qui se font ça avec leurs femmes dans le cadre de l'amour, soi-disant. Oui. Moi, je suis venu ici que j'ai dit derrière moi que sors le blanc. Le what m'avait demandé ça. Qu'il aime une femme, il est en fond là-dedans, au point où il peut manger ta merde. Tu dis quoi? Il dit ok, c'est moi les urines alors. Ok, c'est alors seulement celui. Défait alors seulement celui. Moi. Message écrit. On parlait comme ça, message écrit. J'envoie ma copine que vous, ma CP. Les histoires qu'on racontait souvent, qu'on voit dans les films, on croit que c'est abusé là. Voilà, ça lit. Même pas depuis, hein. Je crois vraiment après Lazare, si. Il y avait un watt par rapport, toujours comme ça. Lui, dernièrement. Oui, même pas depuis. Même après Lazare, si. Il a fait la connaissance d'un watt comme ça. Il me dit que ah, les noirs, c'est fini. Vraiment, il m'a essayé avec les watts maintenant.
Le premier watt que j'ai dit que je vais essayer avec les watts maintenant. Le premier m'avait dit que défecte sur moi. Quand il veut qu'on se veut trop crier, il m'a dit que je te donne ce que tu veux. J'avais fait le direct ici et parler de ça, non? Le jour que j'avais fait le direct pour Porti Portail, vous avez dit non. J'avais même montré le message à l'époque sur mon téléphone qui était perdu. Que voilà ça. J'avais envoyé à ma copine. Oui. Pas les choses depuis. C'est quand Porti Portail est arrivé, qu'on a exposé, qu'il a dit que oui. Quand il m'a dit que tu fermes ma bouche parce que je t'aime trop, je vais te poursuivre, que tu me possèdes, les tu conseilles crier quoi? Il me dit que ok, juste les pipis alors. Je dis quoi? Puis c'est dans ta bouche, il me dit que ok. Comme ça, tu fais sur moi, c'est pas grave. Comme ça, on peut laver. Tu fais sur mon ventre. Je me couche, tu fais sur moi. Que tu défectes sur lui. Un what? Belgo, belgo, belgo même. Même pas l'incassa, qu'on va dire qu'ils sont déviants de nature. Belgo même. Ça existe. Maintenant, il te rappelle qu'il y a des femmes dans les relations. Dans les relations là, qu'on leur fait ça. Tu n'as pas vu le gars venir, il te fait ça. Cela n'est peut-être pas simple, Amanda Diamant, mais tu connais le Watto. Le Watto a les vis poussées. Parfois, pour eux, c'est vraiment simple. C'est un nom. On appelle ça la scatologie. Si le nom même existe dans le dictionnaire, ça veut dire que c'est une pratique qui se fait. Comme la sodo existe là, les gens font là. C'est pour ça que la scatologie existe, on fait. Tu vois, la zoophilie existe, on fait. Tant que le mot existe même dans le dictionnaire français, ça veut dire que ça se pratique. Le fait de manger la merde de l'être humain là, c'est la scatologie. Et il m'a dit, je te donnerai ce que tu veux. Ta demande sera... Donc, genre, tes désirs seront des ordres. Si lui disait que, ok, je fais, mais tu me donnes 15 000 euros, 20 000 euros, il m'a dit que je te donne ce que tu veux. J'ai dit, ça existe. Le pervers narcissique aussi le fait. Facilement, le pervers narcissique te dit, il veut pisser dans ma bouche. Hein, je veux ramener un ami. Hein, je vais faire comme ça. Il te demande quand même les choses hors du commun. Parfois, il ne te demande pas, il te met devant les faits accomplis. Comme la récessie. Son gars, elle s'est levée sur elle, sortie, allait prendre le concombre au frigo. Venir seulement, c'est dans le regard qu'elle a compris qu'elle doit se mettre en position d'exécution. Elle n'a pas pu lui dire que, mais, concombre, c'est pourquoi? La tomate, c'est pourquoi? Non. Elle s'est laissée aller. Parce qu'elle s'est dit que, ah, il a là-bas bien pris soin de moi, peut-être son service, il m'a fait plaisir, je lui fais plaisir aussi en retour. Donc c'est comme ça qu'elle a laissé, qu'on lui mette tous les condiments en elle. Oui, même pas son watt noir africain. Parce qu'on va dire que non, c'est les watts. Ils ont les cancan, choses qu'ils aiment. Africain. La récélabité a 19 ans de relation. Ouais. En tout cas, elle a fait plus que moi dans sa relation. Avec 4 enfants à l'appui. Après son 4 enfants, l'homme arrive à lui mettre les concombres, les tomates. La série sur le gâteau dernièrement, il fait entrer son ami et invite son ami à les rejoindre. Elle n'a pas compris comment elle s'est laissée aller. Les voilà dans une partie des gens balayés à toi. Avec un ami même qui était comme un frère. J'espère qu'il ne filmait pas. On croise les doigts, je lui ai dit ça. Que maman, j'espère qu'il ne t'a pas filmé. On a fait comment? On a fait comment, Amanda Diamant? C'est la secte. Ah, j'allais nous aussi. La vie qui est là, c'est ça, pervers narcissique. Donc, si tu avais un homme qui te demande les choses hors du commun, ne crois pas que, comme on a dit que le pervers narcissique, c'est seulement celui qui te sépare de ses amis là. Pour le sexe, ce n'est pas ça. Ça, là, même, j'ai pris sur Internet. Il a des déviances sexuelles et un comportement très particulier. Oui. Et elle m'a vraiment expliqué comme ça. Que quand le gars se lève, quand il lui fait les petites gâteries, comme vous connaissez là, mais il se lève, il la regarde comme ça. Elle dit que c'est comme sur le serpent qu'elle voyait. Le gars avait changé, à la limite, il a menacé pour dire que, bon, il veut s'occuper de toi, non? Ce qui va suivre, là, tu vas apprécier. Et c'est pas les choses qu'il faisait au début. Ça vient crescendo. Il vient, il change crescendo, en fait. Ils vont de mal en pire, mais tout doucement, tout doucement. Comme la dernière fois, il lui a ramené un ami. Une autre fois, ce sera deux. Après, ce sera trois. Après, un jour, ce sera un animal. Il va lui ramener un chien. Il va lui dire que laisse le chien aller. Laisse-le faire. Je filme ou je vois. Ou voilà. Voilà. Une grande soeur à nous dans les 42-43 ans.
Regardez dans quelle emprise elle est. Ma chérie, je ne te juge pas, tu vois. Je sais que peut-être tu me regardes, mais tu as demandé que je fasse un résumé sur eux. Il fallait que je parle de toi, tu vois. Je ne suis pas entrée dans les détails que tu connais, mais il fallait que j'explique, parce que c'est la déviance sexuelle, là. C'est l'histoire des concombres, des tomates et d'apatous, là, qui m'a fait péter un câble. C'est ça qui m'a quitté la goutte d'eau de trop pour moi, en fait. Tu t'es dit, ma chérie, tu es dans quoi? Comment tu arrives encore à le couvrir après tout ça? Non, il est quand même gentil, Emma. Il m'avait même offert une voiture. Mais parce qu'il t'a détruit, ma chérie. Tu sais même pas s'il est dans les loges. La tomate qui t'envoie là, c'est pourquoi? Ok, le concombre même ressemble au whey. On va dire ça. Bon, la tomate qu'il envoie est tout sa main là. Il veut toucher là où l'enfant reste, wa. Il veut mettre la tomate dans ton utérus, wa. Il veut faire quoi? Que tu acceptes qu'on te mette la tomate à l'intérieur là. C'est pourquoi? Ils sont mariés, Jeannette. Moi, ils étaient dans la maison, ils ont 4 enfants. Est-ce qu'on se marie avec ma soeur? Il ne l'aimait pas, Mani. C'est fort, Jessica. J'espère qu'elle arrive à dire non maintenant. Sinon, un joueur va se retrouver dans un club livré à 10 hommes. Oui, Amanda Diamant. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Qu'un homme que tu as accepté sans renchérir, là, et même pas un nouvel homme, quelqu'un que tu servais comme ton beau, comme le meilleur ami de ton gars, comment tu arrives à te laisser aller, ma chérie? Comment tu es que majesté dans une emprise, je ne sais pas comment t'expliquer. Il ne te laisse pas le choix, en fait. Son regard est menaçant. C'est comme si tu le fais pas, il va même te tuer. Le père et ses 4 enfants, hein. Ce n'est pas que c'est un nouveau show pour dire qu'elle ne le connaît pas et pas avoir peur de lui. Non. 4 enfants, hein. Il a réussi à lui faire comme ça jusqu'à elle a laissé. Que le meilleur ami la touche. Hein. Oui. Pervers narcissique, manipulateur, il faut les fuir très mal. C'est juste que certaines femmes. Je lis ça ici. C'est juste que certaines femmes sont très attachées au point où qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas trouver mieux. Chaque mamie a son couvert. Il faut avoir le courage de recommencer, ma chérie. Merci beaucoup, love de Dieu. Merci beaucoup. Je peins ton commentaire. Il faut avoir le courage de recommencer. En fait, c'est quoi? Quand il t'a tellement diminué, tu arrives au point de non-retour. Donc, tu arrives à un point où tu te dis, c'est bon, je suis une épave. C'est bon. Si ça arrive au niveau où on me fait l'amour avec les légumes, ça veut dire que, en fait, je ne vaux plus rien. Tu vois? Même ce qu'il fait là, c'est calculer. Ça arrive au niveau où celui que j'ai longtemps servi pendant au moins 7 ans comme mon beau-frère, comme le meilleur ami de mon gars, je n'ai pas de parole. Il fait de mon corps ce qu'il veut. Ça veut dire que je ne vaux plus rien. Ton corps commence à te dégoûter en fait. Ça veut que les seules fois que ton gars te touche, toi, tu trouves ça comme une aubaine. C'est comme une chance, c'est comme un privilège pour toi. Parce que tu te dis que oui, je ne vaux plus rien. Tu ne réfléchis plus pas toi-même à ce niveau, Molida. C'est ce que j'ai dit tantôt à notre soeur, que non, ne dis pas qu'on a été longtemps dans mauvais rêves. Ne jugez jamais ceux qui sont sous l'emprise d'un pervers narcissique. Vous ne savez pas par quoi elles passent. Même si on vous raconte notre histoire, il y a des détails qu'on avale. Il y a des détails qu'on oublie. Parfois, c'est quand je coupe ma caméra qui dit, merde, je ne leur ai pas dit telle chose. Il y a des détails qu'on oublie. Que si on vous raconte vraiment tous 6 années de vie, vous allez dire waouh. Je te comprends, je comprends comment tu as fait pour en arriver là. Parce qu'il y en a qui jugent vite. Maman, avec tout ça, tu as quand même accouché jusqu'à accoucher les jumeaux. Ya, avec tout ça, tu faisais encore. Ya, non, vous ne comprenez pas. Le pervers narcissique est celui-là qui te ridiculise devant les amis. Dès que les amis tournent leur dos avant d'arriver dans leur voiture en bas, il est à genoux devant toi. Il est à genoux devant toi pour demander pardon. Ouais, ne te fâche plus, bébé. Tu me suis trop te fâché. Ouais, mon cœur. Ouais, bébé. Tu me suis trop te fâché. Il s'est excusé pour son tempérament tout à l'heure. Je vous rappelle qu'ils sont trop grands. Parfois, ils sont même plus grands que toi. Tu vois un monsieur qui est géant comme ça, à genoux devant toi comme un enfant. Tu vas d'ici. Nous avons dit que ça va, alors ça va. Moi, je n'aime pas, elle ne fait plus ça. Moi, je n'aime pas moi. Que je ne suis pas le genre que tu vas critiquer devant les gens. Même quand tu as un truc à dire à ta chérie, tu laisses les gens pas d'abord. Tu le fais ça et dis que tu as raison. Ce n'est pas bien. Même si c'était moi, je ne vais pas aimer. C'est fini. Tu as laissé passer le problème. Sauf que la prochaine fois, rebelote, il refait. Oui. Sauf que la prochaine fois, il refait en fait. J'ai l'impression que certains hommes, de maintenant, quand ils te font assez d'enfants et qu'après, que ton corps
Et après que n'aime plus ton corps, il m'épouse et utilise ton corps à de mauvaises fins. Oui, Stéphanie Koudou. Oui. Dans une émission, un manier, une autre racontait que son mari n'aimait plus la chambre. Toujours les lieux comme le WC, le resto, les cabines de CIA, les parkings, les caves d'immeubles. Et que même le local de poubelle, elle dit que c'était un engrenage. Tu vois ça? Tu vois même? Tu vois ça, ma soeur? Il faut vivre ça avant de comprendre pourquoi les femmes restent là-bas longtemps. Ah oui, Solange, il ne faut pas juger. Il n'y a pas une personne qui veut vivre mal. Hein? Tu crois que celle-là est contente qu'on lui fasse amour avec le concombre? Qu'on lui impose un monsieur, un homme? Peut-être tu vas voir que c'est le genre d'ami qui il est même répugnant à ton goût. Mais le voilà sur toi. Quand on t'envoie la main comme ça jusqu'à loin dans l'utérus, tu crois qu'elle veut ça? Mais tu sais qu'elle est dans quel état d'esprit? Hein? Aujourd'hui, avec les pratiques occultes qu'il y a dehors, tu ne sais même pas si parfois ils nous charment même. Parfois, ils nous ont fait manger quelque chose. Ou tu te tais, tu es obligé d'accepter tout ce qu'il veut faire là. Pourquoi que qui veut vivre mal? Non. On peut avoir une relation 16 ans, c'est qu'on vit mal, on est dedans. Ça nous plaît de rester là. Il y a toujours quelque chose qui te cloue là, en fait. Voici qu'une qui dit ici, Néhémia, dit que je chasse même ma paille, et refuse de partir, ma. Mais tu parles de quoi? Oh! C'est lui qui te brabaisse. C'est lui qui te chosifie. Mais tu dis pas, il ne part pas. Mon 8 mars 2020, là, pour que le Lazare parte d'ici, j'ai collé la police. J'ai mis les choses dehors. Il met les choses dehors. Il anti-ferme la porte. Que les choses là vont rester dehors sans lui. Et il anti-les m'insulter. Son loup. Sale racaille. Tu vaux quoi? Tu vaux les femmes avec qui je suis sorti. J'ai dit, moi, un homme ne m'a jamais insulté. Tu ne peux pas m'insulter comme ça. Tu me touches encore. Plus jamais. Devant mes enfants, devant mon petit frère. Tu es malade. Tu ne peux pas m'insulter comme ça. Et tu poses encore ta main sur moi. C'est que je dors. Ou c'est que je suis dans les, j'ai tombé dans les pommes. Il faut vivre ça pour comprendre. Je le chasse, je jette ses choses dehors. Il l'anti-ferme la porte. Pour lui, c'est que on va se discuter ici. Mais on va rester ensemble comme un couple. Parce que je ne suis pas mazo, mon frère. On n'était pas encore arrivé au niveau-ci. Oui. Tu dénigrais, tu critiquais, mais le niveau que tu m'insultes, loulou, si, on t'est pas encore arrivé là. Donc, on est arrivé à une étape de non-retour, en fait. C'est le non-retour qui est là, là. Donc, c'est bon. Même quand tu le rechasses, il refuse de partir, là, Néhémia Azael, un jour, il va partir. Un jour, tu vas prendre le goudin sur lui. Un jour, ça sera le trop plein, ma chérie. Quand tu vas dire que pas, il va refuser, tu vas te retrouver à te chauffer le fer pour le repasser. Un jour, tu vas le chasser son Pro Max. Tu le laisses encore parler, c'est pas arrivé au niveau là. Nous, maman, chassait où? Il disait pardon, on laissait. On chassait où? Il paye, il dit pardon, on accepte, il revient. Mais quand ça arrive à un niveau là, quand le niveau là va arriver, tu vas me dire même inbox, ma chérie. S'il refuse de partir, tu le laisses là. C'est que ce n'est pas encore arrivé au niveau là. Oui, tu n'as pas encore eu ton déclic. Je mettais les choses dehors, il entre, il dit que je ne parle pas. On va s'insulter, stop. On va s'insulter, pian. Il dit insulter qui? Tu es ma co-épouse. Faut t'insulter avec qui? Reste dans quelle maison? Malade. Moi que les hommes ont tout traité comme une princesse, comme la lune, comme le soleil. Moi, un homme m'appelle racaille. L'homme qui monte sur moi, devant mes enfants, devant mon petit frère qui me respecte, mon dernier petit frère. Entre mon petit frère et moi, là, peut-être, parce que 20 ans d'écart. Tu vas me traiter de la caille devant mon petit frère. Et demain me toucher. Ton déclin n'est pas encore arrivé, ma soeur. Tu vas me dire un jour. Il va faire un petit truc que pour lui, ce sera rien. Ce sera le trop plein pour toi. Oui. Même le jour, il n'était pas sûr que j'allais le chasser. Il croyait qu'on va s'insulter seulement. Il a dit non. On va s'insulter seulement comme ça. On va rester là. Pian. Il dit que pian avec qui? Tu pianlises quoi? Où? Avec qui? De malade ou quoi? Tu vas rester où pian? Et c'était qui est resté? Où? Bonsoir, ma ravissante, comme d'habitude. Merci beaucoup, Jones. Merci beaucoup, ma soeur. Tu vois, elle fait pian là où? Donc, pour lui, c'était qu'on devait s'insulter les baracailles, racailles comme ça là. Après, on va se coucher comme si de rien n'était. Je suis pas mazo, moi. Non? D'abord, tu commences à être dégoûtant comme ça là. Ma libido prend un coup. Tu vas toucher qui encore? Moi, tu m'insultes racaille, tu touches le corps racaille là. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est de l'impossibilité. De toute façon, beaucoup de gars aujourd'hui aiment basser les gars et les femmes les contrôler. Je pense qu'il a fait quelque chose sur elles. Mais oui, ils font toujours quelque chose sur nous. Finalement, ils font quelque chose sur nous.
Parce que moi, pour que je puisse dire à celui-là finalement que pas, le vrai pas du 8 mars, là, j'avais fait même un jeûne. J'avais fait même un jeûne pour dire à Dieu que c'était une situation comme ça. Montre-moi quelque chose qui sera une position, une situation de non-retour. Et bim, la discussion l'a arrivée. Il m'a insulté comme la tomate pourrie. Il a dit que bon, c'est ça qui est arrivé là. C'est la fin. Oui, j'avais jeûné, un jeûne sec. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Il me suis dit, c'est bon, je me mets en jeûne. Je me mets en jeûne. Il dit à Dieu que montre-moi quelque chose. Si c'est lui là, au sorti de mon jeûne, que prouve-moi que c'est lui. Si ce n'est pas aussi lui, montre-moi un signe qui sera un signe de non-retour. C'est-à-dire que quand il va demander ses 100 000 pardons là, je vais dire que non, tu étais allé loin, tu n'acceptes pas. On s'est discuté le matin du 8 mars là, le quartier est sorti. J'ai compris que c'était bon. Voilà ce qu'il est demandé dans mon rêve là, qui est là là. Quoi que Dieu va descendre, vous dit que ma fille, moi c'est Dieu. Voilà ce que tu m'as demandé. Non, il faut savoir lire entre les lignes. C'est comme ça que j'ai été libérée ce mars là. Je n'ai même pas considéré quand il est revenu après l'accouchement parce qu'il a fait à peine un mois et demi. Je l'ai de nouveau viré. Donc la vraie chassure même, c'était quand j'étais enceinte des jumeaux, début de la grossesse. Ouais. Parce qu'il est revenu après l'accouchement là. Il est venu sans ces choses. Oh. Lui, il était en yami, en yami. Un peu il dort ici, un peu il dort là-bas, un peu ici, dort ici, un peu il dort là-bas. Jusqu'au jour, je l'ai encore chassé, donc c'était fini. Quand c'est fort, ma chérie, tu sens que tu es dans son emprise, un genre là. Mets-toi en prière. Fais un jeûne sec même de 3 jours. Au sortir de là, tu vas voir. Tu vas apprendre peut-être qu'il a fait un enfant. Il va faire un truc qui va te dégoûter vrai, vrai. Tu vas l'aider à partir. Mets-toi en prière. Dis, consacre-toi 3 jours secs. Ou tu manges une fois par jour à 19h. Tu pries 3 fois. Tu pries au matin à 5h. Tu pries à 18h quand tu casses le jeûne. Tu pries au coucher. Fais seulement 3 jours. Tu parles ce que tu veux. Que Dieu le mette à nu. Au sorti de ton jeûne, tu vas voir, tu vas me dire. Au sorti de ton jeûne, tu vas prendre quelque chose que ton cœur va être amer. Tu ne pourras plus pardonner ces différents pardons-là. Histoire qu'il chasse, tu ne veux pas, tu chasses, il ne veut pas partir. Là, tu ne vas pas lui laisser le choix. Tu vas te retrouver en train de puiser l'eau chauffée pour verser sur lui. D'appeler la police pour qu'on le porte, on jette dans la voiture, on l'amène ailleurs. Mais tu as encore eu ton déclic en fait, c'est ça. La paranoïa, c'est le dernier point. J'ai fini mon cours. Le dernier point du pervers narcissique, c'est la paranoïa. Il est très intelligent. Il se méfie de tout le monde et de toi y compris. Le jeûne est vraiment puissant. J'en ai fait l'expérience. Ah oui, Adjara Touré, je vous parle de quelque chose. J'avais framponné 9 jours. Dans un début de grossesse, mais je sentais que le gars là était un chat. Là où on partait là, ça allait de mal en pire. C'était quand tu lui parlais, me casse pas les oreilles. Tu es qui, tu es quoi? Il dit, Là on est en train de partir là, c'est comment? C'est quoi? C'est où? Mais il n'y a pas de gros problème. Je veux dire qu'il parte, mais je veux m'appuyer sur quoi? J'ai framponné mon jeune. Au sortir de mon jeune, voilà ça. Voilà une belle situation. Mof! Le gars m'a dit mot pour mot, je ne vais jamais t'épouser. Tu comptais sur moi pour t'épouser? Tu vas vieillir là, espèce de femme seule. Tu as encore les copines? Si tu tombes là, tu vas mourir pourri dans la maison. Tu as encore les copines? Mais je lui ai dit ce jour que tu les as toutes prises, non? Bisous, bisous, Jeannette. Bisous, bisous, mon bébé. Merci beaucoup pour les étoiles, ma soeur. Je lui ai dit que tu les as toutes prises, non? Tu les as toutes prises, il m'a dit. Ce sont des amis que tu avais, que tu t'assieds, elles ancrées dans la maison, elles étaient 10, elles sont ouf. Espèce de femme seule, le diable. Lui-même, il a parlé à sa bouche. Lui-même. Comme il avait réussi à toutes les enlever autour de moi, il me traitait femme seule. Lui-même me traitait espèce de femme seule. Tu comptais sur moi pour t'épouser? C'est mal me connaître, je ne vais jamais t'épouser. Maf, quand il parlait comme ça, il montait ouf. Ouf. Ouh, il veut faire quoi? Je veux faire quoi? Maf, je suis entré à la cuisine, prends le sac poubelle. Il y a les valises, je veux mettre dans la valise. Sac poubelle. Je mélangeais ces choses avec le liquide vaisselle, le shampoing, de l'eau. Je mélangeais tout. Sac poubelle. C'est dans ça qu'il fut viré.
C'est dans ça qu'il fut viré. Sac poubelle, son couleur noire. Lourdement la couleur noire. Regarde Bonté Machoune. Bonté Machoune dit que regarde comme elle est belle quand elle raconte. Merci beaucoup, mon bébé. Oui, il m'avait dit ça. C'est moi que tu attendais pour t'épouser. Tu vas à Lille. Jamais. C'est moi que tu attends pour porter la robe blanche. Oh oh. Oh oh. Mieux de toi. Racaille comme ça. J'épouse les yéyenga. Elle n'a pas loupé. Pourquoi pas qu'elle ait loupé? Maf. On s'est fait ça sobe, écoute. Ouais. Comme moi, mais je savais que c'est le dernier tour là. Il lui a fait ça dur. Insulter comme on n'insulte pas un homme. Mouf. Oh, purée. Merci beaucoup pour les étoiles. Ouais. Un jour, un jour. Qui sait, un jour, tu seras millionnaire en euros avec tes lives et d'autres opportunités. Tu vas inspirer beaucoup de victimes. Merci beaucoup, Jeannette. Tu es un amour, ma soeur. Oh, elle me gâte avec les étoiles. C'est que c'est de l'impossibilité, ça. On peut avoir les étoiles à 1h du matin comme ça. Adama. Merci beaucoup, ma puce. Fais de beaux, beaux rêves. Je suis arrivé au thème de mon live. C'est ce que je tenais à vous dire. On s'était insulté, moi, le Tobi. Il est insulté comme si, sur des gains, il m'a touché, tu vas pas croire. Les noms dits ont été dits. Même ce qu'on ne dit pas. Même ce que tu vois, tu tapes l'œil, je lui ai dit. Moi, le Tobi. Oh. Que tu veux faire des injures à moi? Yeah. Moi qui m'insulte, avec tout un quartier, il gagne. Tu peux, père. Là où tu parles, tu peux. On rit, tu ris. Alors que tu ne sais pas insulter. Hé hé. On rit, tu ris. Tu veux t'insulter avec moi? Oh, patate. Je l'avais lavé. Jusqu'à ma voix est partie. Même 2 semaines après, je ne parlais pas bien. Ma voix était go. Je suis contente de te voir en joie. Merci beaucoup, une bamoise. Merci beaucoup, maman. Comme il est parti dans le thème que j'ai injure là. Mouf. Oh, le tchobi. Oh my god. Mouf. On rit, tu ris. Pourtant, tu ne sais pas insulter. Tu as seulement 2 injures dans la bouche. On rit, tu ris. Tu peux teigner avec Mani. On rit, tu ris. Elle insulte, tu réponds. Oh, oh, patate. Tu me connais, tu fais semblant. Oh. Sinon, tu me connais. Mais tu fais semblant. Oh, yalla. Le voisin congolais qui est à côté là dit, ma soeur, on n'insulte pas un homme comme ça. Il dit, oh, c'est l'homme qui doit insulter une femme comme ça. Il est loupé. Hé, hey, Adama. Mais regarde bien mon message. Tu feras des conférences et voyageras dans le monde. Ce sera ton métier. Amen. Bonté, ma chaîne. Amen. Que Dieu t'entende, ma chérie. Amen, amen, amen. Dieu t'entende, ma puce. J'étais, ah, je m'étais mis zo. Djandjomo, je m'étais mis zo. Tu regardes, tu as le macabre de quelqu'un depuis, non? Lui-même, il a raté comme ça, il est tombé dans mon piège. Ah, mouf. Non, bête, me dis donc. Oh. Tu regardes, tu tables sur beaucoup de choses depuis, tu dis, oh. Le couple, oh. Oh. C'est le mariage, oh. Oh. Il est fait comment? Il est supporté. Un jour, c'est lui qui veut t'insulter. Ouais! La racaille qui te chasse tous les jours, tu demandes pardon. Tous les jours que Dieu fait. Il était à chasser de la maison peut-être 16 fois. Avant d'arriver en bas, tu es à genoux. Tu pleures. Tu appelles toute ma famille. Dieu a reçu une racaille. La racaille pour qui tu pleures la nuit. Je n'ai pas un pyjama qui n'est pas déchiré. Et tu supplies, tu supplies, tu déchires le pyjama. Tu déchires le pyjama d'une racaille. Tu supplies une racaille. Ton est vis-à-vis d'une racaille. On fout le camp. On la zappe, wesh. C'est pas elle qui te chasse tous les jours. Et tu pleures. Tu rampes comme le père dans la loi pour venir. Moi, tu veux me laver. Tu peux me laver, moi. Oh my God. Il insulte ce qu'un mais pas me regarder sur le miroir et dit ouais, ça fait fort. Yalla. Il connaît. Il voulait aussi se jouer les dangereux. Ah, sinon, il connaît. Il connaît mon affaire. Et
rendu une autre dingo ici à Bruxelles. Vous parlez de quoi? Marche pas le seul. Moi. Elle n'aime pas être en colère. Faites attention aux gens qui rient beaucoup. Faites attention aux gens qui aiment trop rire, qui aiment le fun, qui blaguent, qui sont trop blagueurs, qui sont très comiques. Faites attention à leur colère. Très attention. Gens comme moi. Qui sont tout entiers, fait des blagues, de faire rire les gens, de rire, danser, être dans la très bonne humeur là. Faites attention à la colère de ce genre de personnes. J'en fais partie. Si tu m'as énervé et qu'on arrive au niveau des injures, let be like a lie. Tu vas voir le psychologue. Tu vas voir le psychologue. Je suis le genre de personne qui encaisse. Quand tu dis waka, il dit ouais. Mais c'est moi que le waka là, c'est ta mère qui m'a appris. Discuter les clients est à même mal. Quelles sont les réponses qui vont avec? Je ne dis pas que qui, moi, Waka, il est mouru, non, pourquoi? Je suis Waka, mais sauf que faire ta mère. Aïe! Tu dis ma mère! Je dis oui, ta mère. Ta mère mort, les clients jusqu'à. Ta mère mort. Oui, le micro que nous on fait zozo là, ta mère mort, nos clients jusqu'à. On a demandé qu'elle laisse Waka, elle ne laisse pas. La personne va die. Laissez quand vous dit Waka, vous voulez mourir là. Répond comme ça à la personne. Il va boire l'eau pour descendre. Zena Ramani, ah. Laisse tomber les perdus de la nature là. Parle pas des morts. Il est mort et enseveli. Il est descendu en enfer. Le troisième jour, il va ressusciter des morts. C'est ça en fait. Donc, je suis sûr que tu l'as incité jusqu'à après tu as perdu 2 kilos. Diane, tu connais comment je mets les organes dans les choses? Eh, tu connais? Je mets trop les organes dans les choses. Trop. Beaucoup trop. Fais très attention à quelqu'un qui rit beaucoup. Faut la voir louper. Oui. Quelqu'un qui rit beaucoup, faut la voir louper. Ça dit, regarde dans ces choses, tu la laisses. Faut pas qu'elle arrête de rire. C'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Une autre m'avait essayé comme ça. Oh. Elle croyait qu'elle est trop la terreur. Qu'elle terrorise trop les gens. Elle pas. Elle pas là. Ouais. Quand elle te voit, elle s'agite comme ça. Je suis star. J'ai fait fort. Vu, lu. Su et ignoré. Quand elle a dit next. Oh my God. Quand elle a dit next. Je passe très mal sur les gens. Je laisse des séquelles en fait. Je suis sûre. J'en suis consciente. C'est pour ça qu'il ne faut pas me chercher. Ce qui est bon sur moi. Là où même Dieu me soutient et me protège. Parce qu'il sait en âme et conscience que la fille qu'il a créée que je suis n'attaque pas les gens. Je n'ai pas le temps pour les gens. Moi, voici depuis 21h30, je suis assise. Je parle de moi. Ce n'est pas de quelqu'un. J'ai tellement à dire sur moi que je ne me retrouve pas. Je n'ai pas le temps pour les gens, en fait. Donc, c'est mieux de me laisser dans mon mood. Quand il n'y a rien à faire, dors. Comme je dis, passer toute la journée à dormir. Il faut la cuisine hier soir. J'ai déposé mes enfants à l'école. Je suis rentrée. Je me suis tapé une bonne salade aux crevettes fraîches, les œufs, nanana, maïs doux. J'ai pris mon bon thé. Je me suis lavé. J'ai fait mon signe de croix. Je me suis couché. Je me suis laissé. Ouais. J'ai tapé même 5 heures de sommeil. C'est comme ça. Si je ne dors pas, je mange mon bon poisson. Hier soir, j'ai fait la sole braisée. Les gens qui me follow sur WhatsApp ont vu. J'ai brisé la sole avec le miondo planté frit. J'ai daba, un piment. J'ai mangé en chantonnant. C'est bon. Pour dire que je ne m'ennuie pas en fait. J'ai pas le temps pour chercher les noises aux gens. Parce qu'ils savent m'occuper. Il manque ce que je vais faire. Je change encore le sens de mes chaises dans ma maison. J'ai un grand salon. Je peux changer encore le sens de mes chaises. Je peux nettoyer la télé. Maintenant, on a créé TikTok. Oh. Je parle et danse sur TikTok jusqu'à être transpire. Vu, lu, su et ignoré, c'est devenu un mode de vie. Ah oui, Zeta.
Ah oui. Et ça pique plus que tout. Ça pique plus que tout. Quand une personne vient s'agiter devant toi, elle croit qu'il y aura le retour. Ma, tu ne la toises pas. En fait, elle n'existe juste pas. Tu vois le truc, non? Parce que même toiser quelqu'un, c'est lui donner le temps. Parce que quand moi, toi, elle toise mal. Il fait comme si tu sens les caca. Il pas d'abord mon nez comme ça. Il te regarde comme ça. C'est comme si tu as chié sur toi. Tu t'es pas lavé, ouah, tu sens en fait. Et toi, il n'y a pas les trucs, du coup, moyen de faire comme ça. On passe en, c'est trop joli. Moi, je décompose mon visage d'abord. Donc, comme si tu pues. Et puis, il commence en bas, doucement. Il papillonne pas les yeux. C'est sans, il vous apprend à faire les problèmes. Ne tape pas les yeux vite, c'est fort. C'est pas beau. On ne pique pas. Imagine, tu es debout, quelqu'un te regarde comme ça. Tu vas faire comme ça. Toi, tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Tu vas sentir tes aisselles. Peut-être je sens. Hein. Tu te poses des questions directement. Tu vois? Oui. Je suis très fine dans ce que je fais. Mais même ça, je ne te fais pas. Je ne te regarde juste pas. Tu es dans ma ligne de mire. Hein. Je ne tourne pas ma tête. Hein. Mais je ne te regarde pas. Tu vas venir t'agiter là pour que voir que tu as la même perruque que moi. Tu as mis les lentilles. Tu essaies de danser. Tu essaies de ne pas de dire je l'ai dit. Je ne te. En fait, c'est comme si le regard le vide en fait. Tu es en face de moi. Je suis comme ça. Je n'ai pas un regard menaçant. Je n'ai pas un regard parleur. Mais je suis comme ça. Tu vois? Je suis comme ça. Je suis juste en mode. Je vois rien. Tu te poses des questions que mais attends. Mais tout ce que j'imagine, elle ne me voit pas. Ou c'est comment? Ha. Ce qu'elle fait depuis là, elle ne me voit pas ou c'est comment? Je ne sais pas. Elle ne me voit pas, ouah. Depuis qu'elle écrit même que je suis dit étoile là. Elle ne dit pas que étoile, c'est elle. Elle n'entend pas que je suis en train de dire que je suis dit étoile. C'est comment? Je ne te calcule pas. C'est un état d'esprit aussi. C'est aussi une façon de framponner. Mais tu pars ton nez comment? Tu fais comme si c'est sang. Quand tu fais comme ça, la personne fait comment? Elle sent que c'est sent bon. On le toise et puis comme ça. Quand on fait ce coup moyen, dès que tu l'aimes, mais t'es trop beau. Tu toises quelqu'un, tu prends ton temps. Tu décomposes ton visage. Tu rends ton visage laid. Mais tu commences à la regarder maintenant en bas, doucement en montant. Tu vas voir, la personne va faire comme ça. Comme si elle a saigné, elle ne sait pas. C'est pour lui montrer ce qu'elle vaut en fait. Mais maintenant, là, c'est en mode vu, lu, su et ignoré avec succès. Ignorer son Pro Max. C'est ça. Voilà. Même si en passant comme ça, on picote un peu, mais c'est pour faire rire les gens, parce que les gens deviennent des guignols. Et on en rit, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Non, il n'y a pas de niveau. Si déjà tu parles pas un bon français, on peut se dire quoi? Moi, il dit, je lui ai dit, toi, tu dis, je l'ai dit. On va se dire quoi, en fait? Tu vois? Donc, c'est pour aller dans le sens de se discuter là. On va se dire quoi? Quand il va te parler le vrai français, tu ne vas pas m'entendre. Tu seras toujours obligé d'appeler les gens pour dire qu'elle a dit que ça veut dire quoi? Ça veut qu'il n'y a pas la réplique. La réplique n'est pas proportionnelle. Du coup, ça donne la paresse, wesh. Tu vois le truc? Ça donne la paresse de faire le problème avec quelqu'un qui n'a pas de réplique proportionnelle. Je ne peux pas me permettre de dire je l'ai dit pour être à ton niveau. J'ai dit 2023, on ne descend plus au niveau des stupides. On descend plus au niveau des gens qui ne sont pas intelligents. Tu restes sur ton piédestal. La personne qui veut t'atteindre monte les escaliers pour te trouver en haut. On ne descend pas au niveau des personnes cupides. C'est comme ça désormais. Même si on l'a fait avant, c'était avant. 2023 qui est là. On est chiquement orphelin de père là. On ne descend pas trouver les gens cupides en bas. Non. Never. Plus jamais. Tu restes en haut. Après, qui peut monter te trouver là-bas, mais tant mieux. Tant que tu es au niveau de. Tu as les gelades en face là. C'est vu et ignoré. Je n'ai parlé qu'un français. J'ai quand même un master. J'ai quand même un bac plus 10. Et on se dit quoi en fait? Là, parce que chose que truc. Là, parce que nous tous on accouche, on a la maison qu'on est pareil. Ouais, le truc ou pas? Donc c'est vu, lu, su et ignoré qui est douleur là. Ouais. La personne n'a qu'à ramper comme le père d'Aloa. Tu ne vois pas, tu n'entends pas. Oui.
Je la reprends à quelqu'un, c'est lui donner les points. Du coup, pff, never. C'est comme ça. Si on arrive à calquer ton style, c'est que tu es une source d'inspiration. Alors, je suis contente d'être une source d'inspiration. Je veux bien que quelqu'un me dise que tel jour, man, il s'est habillé comme moi, s'est mise comme moi. Je veux bien voir ça. Mais on est toujours dans ma peau. Ça veut dire que je suis une girl power. Voilà. Ça veut dire que je suis la chose. Je suis le début. Je suis le commencement. Je suis la tête et pas la queue. C'est comme ça. Dans ma famille, hier, vous laissez. J'ai trop dormi en journée. Franchement, j'ai bien dormi en journée. Le sommeil de la journée, quand il n'y a pas les enfants là, de toute façon, c'est doux. De toute façon, c'est doux. J'ai mis mon réveil à 15h30. Je me suis couché dans les 11h, 10h comme ça. J'ai dit, bon, si je me réveille avant, ça va. Mais si je ne me réveille pas avant, au moins à 15h30, il faut que je me réveille. Temps de m'apprêter et tout et tout. Et d'avoir pris les enfants à la crèche et les autres. Donc, je trouve le temps pour moi. Je prends le temps pour la populace. Je prends le temps pour me, voilà, pour descendre, retrouver la populace en bas. Je l'ai dit, je l'ai vu, je l'ai parlé, c'était fort. J'ai beaucoup de temps pour moi. Et j'ai 5 enfants. Donc, si je m'ennuie, je prends le produit, et le gant, je fais les losses à mes enfants. Je losse. Je détache les cheveux de ma fille, je tresse. Je détache, je cresse. Je détache, je cresse. Donc, je ne peux pas m'ennuyer. Il y a quoi qu'on va me retrouver dans la boue avec la populace? C'est juste plus possible. Oui, on l'a fait avant. Pour que chacun connaisse sa place. Parce qu'au bout d'un moment, les serpillères et les torchons, c'est pour nettoyer, certes. Mais ça n'a pas le même usage. On l'utilise pas de la même façon. Voilà. Au bout d'un moment, chacun reste à sa place. Peu importe. Même si on, demain, tu comprends que quelqu'un s'appelle Mani 5 étoiles aussi Pro Max. Tu tapes l'œil. Aïe. On connaît qui est l'original. L'original ne sera jamais la photocopie jusqu'à ce que la terre finit. Dans le palabre de ça, là, on ne fait pas. C'est un commentaire qu'on tape en passant. C'est ça. Donc, voilà. Les amis, mettez les cœurs, on va se laisser. Néhémia. Quand je faisais le direct est resté figé comme maintenant. Là, il me s'oublie, j'ai eu l'impression que je devant le miroir. Et puis, j'ai ma perruque. Après, je vois quelqu'un a lancé le cœur, j'ai crié, wouh! J'ai oublié que j'étais en live, en fait. Pour leur mettre les cœurs, voici les gens. Avant qu'on se dise au revoir. Je vois, il y en a qui se connectent, donc il y a quand même des gens. Amanda Diamant, écris quelque chose, ma puce, je te vois. Maï, je veux te follow sur WhatsApp, je n'ai pas le numéro. Zeta Ramani, si tu me follow sur WhatsApp, il faut que tu sois un vrai profil. Ne me follow sur WhatsApp que des vrais profils. Mais j'ai l'impression que tu es un faux profil, je pense, non. Si tu me follow sur WhatsApp, un vrai profil, ouais, pourquoi pas. C'est mon Snap là-bas, mon WhatsApp, c'est mon Snap. Donc, c'est possible. Mais il faut que tu sois un vrai profil, tu vois. Amanda Diamant, je vois ta photo. Dis quelque chose, ma puce. Qui est connecté? Dis quelque chose. J'ai l'impression que c'est figé à nouveau. Je me lève qui sèche. Attends, il ressort, je reviens. Je vais voir qui est là. Attends. Vous êtes sérieuse? Il y a 31 personnes connectées, mais attends, vous regardez quoi? On peut faire ça.
Mais commentez non, mes co. Franchement, j'ai eu peur que le direct s'est arrêté. Déjà, il y a les gens. Tia. Tu veux voir quelle perruque, Jessica? Tu veux voir quelle perruque, bé? Ma perruque sur la tête, dis-moi. Tu veux voir quelle perruque, ma soeur? Hein, vous commentez. C'est que c'est le direct qui bug alors. Voilà, maintenant ça monte. Maintenant ça monte. On commente, non, tu ne lis pas. Ah, ce que tu as dit que tu vendais. Coucou, Maï 5 étoiles. J'ai pris le train en marche. Malheureusement, à la fin du direct. Sujet intéressant que j'aime surtout sur les PN. Ah oui, t'as Aurélie, tu vas revoir après. Ah, ok, je vais vous montrer une seule. Je vais vous montrer une alors. Parce que demain, je vais avoir le stock. Je vous ferai le direct dimanche pour. C'est pas que. Diane, en fait, ça buguait. C'est maintenant que les commentaires montent, tu vois. Ah, ça montait. Ah, maman. Mon téléphone ici, là, ça bug. Ça, voilà, les commentaires sont restés figés en genre. Donc, j'aurais dû sortir ici et revenir. Là, je vois maintenant bien les commentaires. C'était quand même bizarre que mes personnes ne parlent. C'est pas possible, tu vois. Attendez, alors, je vais montrer une perruque. Une seule. Comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que tu disais celle que j'ai sur moi? Celle-ci. Mais ça, je ne peux pas vendre. Ça a coûté cher. Ce n'est pas exceptionnel comme les perruques en rasta. Les perruques en rasta, c'est autre chose. Je mets alors, je viens. J'attends ma part de bénédiction. Pardon, donne-moi pas si ça y est. J'attends pour moi. J'attends pour moi. Même si c'est très clair. Donne-moi pas aussi. J'attends pour moi. Donne-moi pas. Ouais, d'abord la longueur. D'abord la longueur. Ouais, la longueur, non. Ouais, c'est juste après les fesses. Jusqu'après les fesses, moi non. Maintenant. Mais logiquement, la perruque vient seule. La perruque vient vite. Je veux dire, sans les perles, c'est moi qui les ai mis. C'est moi qui ai customisé comme ça. C'est moi qui arrange comme ça en fonction des clientes. Si elles sont gentilles, si elles prennent beaucoup. Sinon, la perruque vient sans les perles. C'est moi qui les ai mis. Tu vois? Tu peux coiffer à volonté. Tu peux attacher comme ça. Tu peux arrêter en haut comme j'arrêtais. Tu passes un bandeau dessus. Tu vois? Vraiment, c'est à ton aise. Mais c'est hyper long. Hyper long.
Tu vois, non. Moi, je ne colle pas les baby hair. Pour que ça fasse un peu, ça fait plus joli quand tu ne colles pas. Tu vois, les cheveux viennent devant, genre là. Ça fait plus joli. Regarde, c'est trop beau. C'est juste super. Et ça tient sur la tête bien, alors que c'est beaucoup, hein. Si tu n'es pas quelqu'un qui est habitué au long perruque, tu ne peux pas porter, regarde. Sans effort, je ne l'ai pas particulièrement coiffé. Mais je n'ai pas fini de customiser. Tu vois, je vais mettre les perles un peu partout. Il y a aussi des cordes qu'on met là comme ça. Tu tournes des cordes dessus comme ça en or, couleur or. C'est hyper beau. Ouais. Maintenant, tu peux le laisser hein, si tu veux. Tu peux laisser que ça fasse comme ça. Tu vois? Tu peux laisser que ça fasse comme ça. Ça tombe sur toi. Ça part pas derrière. Ça dépend vraiment. Tu coiffes à ton aise. Tu coiffes à ton aise. Tu coiffes à ton aise. J'aurai le stock demain. J'ai pas pris beaucoup parce que ça pèse. Pour faire monter, il faut payer. Tu vois? C'est trop bien customisé. Hyper bien. Et bien long. Toute la longueur qui me tue. Long et beaucoup. C'est ça. Bien long. C'est ça. Bien long. Choco bronzé. Inbox, ma chérie. C'est ce que j'ai beaucoup de gens qui me... Quand ils vendaient les foulards des mains, il y a quelqu'un qui a vendu les foulards à Bruxelles. Elle vendait la moitié des prix. Donc maintenant, elle va peut-être chercher les briques pour vendre. C'est inbox. Déjà, il n'y a pas beaucoup de pièces. J'ai fait venir 7 pièces. Dans les 7, moi-même, j'ai plus 2. Donc voilà. Avant que ma photocopie ne commence à vendre, je dois écouler mon stock. Mais si je donne mon prix, voilà. C'est gens qui font les choses pour le mal. Elle peut vendre ça même à 5 fois le prix moins, tu vois. Donc, c'est inbox, vraiment. Je ne donne pas le prix. Je ne peux pas donner le prix sur Internet. Sorry. C'est inbox. Je réponds toujours au message inbox. Ah, c'est celle-là. Et si j'adore, j'aime beaucoup. Quand j'ai mal mis. Oh, voilà. Voilà. Voyez, non. Oui, je peux envoyer partout. Les frais d'envoi sont payés par vous, bien sûr. Inbox, vous m'écrivez inbox. Ça, là, j'adore. Mais ça, c'est mon coup de cœur, en fait. Tu vois, non, ici, les perles sont différentes. C'est moi qui en mets. C'est moi qui mets ça. Attends. La petite, j'ai porté ça comment? Pourquoi c'est comme ça? Voilà. Les perles, c'est moi qui en mets. Tu vois, il y a les cordes. Il y a d'autres qu'on peut mettre les cordes comme ça. C'est moi qui fais. Pour changer. C'est que ça change de ce qu'on voit un peu partout. Qui sont trop simples, simples. J'adore. Cette couleur me... Ça me donne l'extase. Inbox, mes amours. Inbox. Je mets le numéro. Hein. Je mets le numéro pour me contacter sur WhatsApp. Je ne peux pas donner le numéro sur Facebook comme ça. Le prix. On ne peut pas. Je mets le numéro où vous pouvez me joindre. Zéro zéro trois deux quatre.
05 53 41. Voilà. La couleur me va trop bien. Oui, j'aime beaucoup cette couleur. Ouais. Tu coiffes ça vraiment comme tu veux. J'aime beaucoup quand c'est un peu coiffé comme ça. Tu attaches un peu. Ça te ressort la beauté en genre. Et tu ne colles pas les baby hair. Moi, en tout cas, je n'en colle pas. Tu laisses ça, ça te fait un peu comme une coupe chinoise, comme ça, devant. Ça te fait trop beau. Voilà. Viens bien devant avec. Maintenant, si tu as une soirée où tu dois sortir, ou bien une vraie sortie, tu fais coller. On te plaque ça vraiment. Mais les baby hair ne touchent pas. Tu vois? Les baby hair, quand même, on ne touche pas. Oui, on n'a pas besoin de coller. C'est tellement bien fait que t'as pas besoin de coller. Tu vois? T'as pas besoin. C'est tellement bien fait. Tu mets ça d'or. En fait, c'est ça. J'ai jamais collé depuis que j'en mets. Je colle rarement les perruques. Hein. Je colle rarement mes perruques. Rarement. Parce que je dors pas avec la perruque. Pour dormir, j'enlève tout. Même les cils, j'enlève. C'est pour ça que le cil à cils, comme un, j'ai arrêté de mettre. Parce qu'après, ça va m'agacer. Pour dormir là, comme j'enlève tout. Même les cils, j'enlève. Les lentilles, j'enlève. Tout doit quitter sur moi. Donc, si j'ai collé la perruque, on ne pourrait pas dormir avec. D'office. Je suis quand même jolie. Hein. Oh my God. Mon père m'avait accouché. Maman, je suis quand même moi. Hein. Tu vois, me regarde comme ça, je suis rassasiée. Oh, vraiment. Ma mère, en partant accoucher, avait bu le champagne. Ouah. Je sais pas. J'ai un petit air de je sais pas. Je suis mignonne comme ça. Oh. Ça me donne la paresse, ma beauté. Oh. C'est pour rigoler. Prenez pas ça. Voilà, regardez. Oh my God. Je suis juste parfaite. Oh my God. Regarde, je ressemble à quoi? Ça là. On me voit en train de discuter en quoi en route. Nous on a dit que mes mains, toi, tu fais pas. Mes mains, comment tu baisses ton charisme? Et c'est possible. C'est de l'impossibilité. Je suis trop belle pour faire n'importe quoi. Regardez la beauté de l'enfant. Oh purée. Je suis trop belle. La perruque, sinon, c'est la fin du monde moratoire. Oui. Oh, oh patate. Dans les perles que je mets dessus, là, ce sera pour les clientes gentilles. Ce sera pour les clientes hyper gentilles. Sinon, ça se vend sans perles. C'est moi qui en mets. C'est moi qui arrange comme ça. Vous savez qu'il fait beaucoup de choses. Oh. Il fait beaucoup de choses. Le fil-ci, c'est moi qui ai mis. C'est moi qui en mets. Il fait beaucoup de choses, moi. Beaucoup. Il fait beaucoup de choses de mes mains. Je crée beaucoup. Toutes les filles que vous connaissez, les longs rastas, même Shakir, quand il avait mis ça, il a plaqué les baby hair. Je suis celle-là qui commence à mettre en laissant les baby hair genre foufou. Ça fait plus mignonne. Quand tu colles les baby hair, ça fait trop sérieux. Et la perruque n'est pas belle quand elle est trop sérieuse. Trop sérieuse. Le fil, c'est la magie, non? Oui, man, je vais m'arranger demain quand il va rentrer là. Je fais un à un. Une à une. Tu ne mets pas trop. Si tu mets trop, ça fait tout moche. Tu vois, non? Tu travailles quelques tresses comme ça. C'est fini. La fin du monde au moratoire. Vous parlez de quoi? Attends. Maintenant, si tu as mis le bleu, c'est comme ça. Là, tu mets les lentilles bleues. Et tu mets le rouge à lèvres mat. Rouge de chez MAC. Rouge comme ça. Bien. Tu as les jolies lèvres comme moi, pulpeuses comme ça. Rouge à lèvres, rouge là. Tu travailles un peu tes yeux légèrement comme moi là. Tu mets pas le fond de teint. Petit poudre. C'est fini, tu es parti. Quand ton teint est zo, pas de bouton. Petit poudre pour ne pas que le visage brille. Tu es parti. Même si quelqu'un a porté quoi, tu dis. Ouais, personne ne peut t'influencer. Tout ça, c'est la publicité qui est faite. Faites pas attention à ce que je dis. Vous savez que j'aime trop blaguer. Il n'y a pas de pub qui est fait comme ça, j'exagère. Là. Même je ne colle plus mes perruques depuis. Oui, Marie Diamanté, non seulement ça te donne les chutes de cheveux devant pour rien. Moi, je ne colle plus moi les perruques. Mes perruques sont bien faites, posées, tac. C'est fini. Oui.
Les perruques sont posées tchac. Quand il y a, ou bien quand j'achète une perruque qui est nouvelle. Je ne vais pas voir mon gars qui me coiffe là. Il me fait la perruque pour la première fois. C'est-à-dire, il me sort les baby hair, il fait le brushing, c'est fini. Je ne touche plus jamais. Ma perruque orange que j'avais mercredi là. Il l'a acheté au mois d'octobre, fin, après mon anniversaire, comme ça. On a fait le brushing une seule fois. Ce n'est jamais tombé. Ce n'est jamais tombé. Je ne colle plus moi mes perruques. Non. Regarde ça là. C'est posé comme ça, et pas collé. C'est tellement bien fait. Tu mets ça d'or sur ton visage. Et baby, hey, tu ne colles pas. Tu les sors comme ça. Tu laisses ça vraiment en foufou comme ça. Tu ne sors, tu ne colles pas. Tu vois, non? Tu laisses en foufou sur ton visage, un genre là, comme ça. Regarde. Tu laisses en foufou comme ça. Comme si c'est chinois, ouah. C'est pas chinois, ouah. Tu vois, non? Tu laisses en foufou sur ton visage comme ça. C'est hyper joli. Donc, demain, j'aurai le stock. Je n'ai pas commandé beaucoup. J'avais commandé 10 pièces, mais les couleurs que je voulais n'étaient pas toutes disponibles. Donc, je n'ai pris que 8. Hein? Parce qu'elle a fait les couleurs à ma demande. Parce qu'elle avait été toujours noir. Elle a fait les couleurs que j'ai demandé. Fait telle couleur. Déjà que si on n'achète pas les portes, là, ouais, c'est où? Il y a peut-être 150 perruques. Donc, ça peut me déranger pour porter. C'est ça. Donc, famille, je vais vous laisser. Je vous ai un peu montré. On a fait le tour des pervers narcissiques. Après, pour la partie où je vous disais que le pervers narcissique ment beaucoup et qu'il est paranoïaque, je vais aller chercher mon direct le direct dont je parle là. Je vais vous publier ça. Et vous prenez la peine d'écouter mon live jusqu'à la fin. Vous allez comprendre comment un homme peut mentir à un certain point. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous laisser, famille. Merci beaucoup pour vous qui avez été là du début jusqu'à la fin. On est quand même là depuis plus de 4 heures. Pour vous qui avez été là du début jusqu'à la fin, qui m'avez suivi, un gros, gros merci à Florence, gros, gros merci à Jeannette, gros, gros merci à qui d'autre là pour toutes celles qui ont envoyé les étoiles. Vous êtes des amours. Merci beaucoup, famille, pour les interactions. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ceux qui disent bonne nuit, reviennent. C'est-à-dire que vous tenez à moi. Merci à toutes celles qui sont encore là. Merci, voilà, à ceux qui sont intéressés par la perruque, vous m'écrivez sur mon WhatsApp, vous aurez les prix. Merci beaucoup, je vous fais plein de bisous, mettez Dieu devant tout ce que vous faites. Voilà, que Dieu nous protège, que Dieu me protège, que Dieu vous protège, que Dieu protège nos progénitures, qui sont nos enfants, qui sont une autre que nos priorités. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. On se voit peut-être dimanche pour le direct pour les perruques, au pire mercredi. Bonne nuit la star. Bonne nuit Zeta Ramani. Bonne nuit ma puce. Bisous.